C'est toujours un moment magique de voir tous nos amis des grands voiliers autour de nous. Là, on se sent tout petit avec le Belém. Vous savez que Eric Tabarly disait toujours du Belém que c'était le plus petit des grands voiliers. C'est le cas, vous voyez, par rapport au Cruiser Stern en face de nous. On est moitié moins long. Hein. Mais disons qu'on a le charme à la française, si l'on peut dire. Et puis le Belém était quand même un navire plus que centenaire et qui a eu de multiples aventures qui lui ont permis d'arriver jusqu'à ici, dans l'état où il est aujourd'hui. Les fêtes maritimes de cette dimension, c'est quand même rare sur les côtes françaises, ce qui est un peu d'ailleurs dommage par rapport au patrimoine maritime que l'on a derrière nous, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que la ville de Rouen a toujours su mettre en avant le monde maritime. Et c'est un bel hommage justement, parce que la ville de Rouen est liée vraiment à cette histoire maritime. Hein. Ça s'est développé grâce à ce trafic qui existe depuis des siècles. Et avoir cet accès au grand public gratuit, en plus à tous ces grands voiliers, je trouve ça extraordinaire. J'espère que ça continuera encore de nombreuses années.